Dieu. Herrlichkeit dem Herrn. J'aimerais saluer tout le peuple de Dieu. Ich möchte das ganze gesamte Volk Gottes ce matin encore dans le nom de Jésus. Heute, morgen, im Namen Jesus. Je salue les pasteurs, les anciens et tout le monde. Ich grüße den Pastor. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. J'aimerais saluer tous nos bien-aimés qui sont en train de. Qui ne peuvent pas être là pour leurs études, travail de fin d'études et autres. Diejenigen, die nicht da sein können aufgrund des Studiums, wegen der Klausurphase. Nous prions pour que la maladie ne puisse pas être notre portion, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous protéger. Il faut toujours se protéger. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut acclamer très, très, très fort? Ta façon d'acclamer là ne me plaît plus. Mardi, nous avons enseignement. Dienstag haben wir Belehrung. Je vais parler sur. Nous allons parler. Wir werden sur l'exercice. Comment tu peux être excellent dans l'exercice de ton don. Wir werden darüber sprechen, wie du exzellent sein kannst in der Ausübung deiner Gaben. Mercredi. Mittwoch. Je vais vous préparer une salade. Werde ich einen Salat für euch vorbereiten. C'est-à-dire, das heißt, je vais prendre toutes les questions. Ich werde alle Fragen nehmen. Qu'est-ce que je peux faire pour être excellent dans mon mariage? Was kann ich tun, um excellent zu sein in meiner Ehe? Avec ma belle famille, qu'est-ce que je peux faire pour être excellent? Tous ces aspects-là, je vais donner 2, 3, 3 points, 4 points, quelques petits secrets, ça peut nous aider. Geheimnisse, die uns helfen können. Le jeudi, am Donnerstag dann, je vais parler sur l'élégance. Möchte ich über die Eleganz sprechen. L'apport de l'élégance. Die Tragfähigkeit der Eleganz. Et de l'argent. Den Beitrag der Eleganz und vom Geld. Dans l'excellence. In der Exzellenz. Hein? C'est très important. Es ist sehr wichtig. Nous avons parlé de tout ce qui est la beauté intérieure. Wir haben darüber gesprochen, was die innere et Schönheit j'espère ist. Que chaque jour chacun devient mieux. Und ich hoffe und denke, dass jeder von Tag zu Tag besser wird. Mais la politique du marketing veut aujourd'hui que l'emballage soit bien aussi. Aber die Politik vom Marketing heute will das auch, dass die Hülle gut ist. Sinon on peut rejeter quelque chose de qualité juste parce que l'emballage est faux. Sonst kann man etwas von Qualität wegwerfen, nur weil das Aussehen von außerhalb nicht so schön ist. Donc nous allons être très pragmatiques le jeudi. Also werden wir sehr pragmatisch sein. Vendredi, nous sommes à l'intercession. Freitag sind wir in der Fürbitte. Et dimanche, und Sonntag, je vais prêcher sur chrétien ou disciple. Werde ich predigen über Christ oder Jünger. Tu vas sortir d'ici, du wirst hier rauskehren, en sachant si tu es chrétien, wissend, ob du Christ bist, ou tu es disciple, oder Jünger, ou tu es les deux, oder bist du beides, ou tu n'es aucun d'eux, oder bist du nichts von beiden. Nos condoléances à notre frère. Unser herzliches Beileid an unseren Bruder. Que le Seigneur te fortifie. Möge der Herr dich stärken. Et fortifie la famille. Und auch die Familie stärken. Et je vous invite le 12. Und ich lade euch am 12. ein. Pour le livre. Für das Buch. J'aime toujours que vous soyez les premiers à les consommer. Ich liebe es, dass ihr die Ersten seid, die es halt lesen könnt. Autant que vous pouvez. So gut ihr könnt. Et j'aurai besoin de quelques personnes. Und ich brauche einige Personen. Je veux plus les jeunes. Ich möchte vor allem die Jugendlichen aber dabei. Pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire de rien, um de sehen, simple. Was wir Kleines machen oder vorbereiten pour können. Qu'à la fin, les gens puissent clignoter quelque die chose. Leute am Ende etwas et zu, boire quelque chose. Essen haben. Amen. Trinken können. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole wir werden de Dieu. Aufstehen für die Lektüre. J'ai un enseignement aujourd'hui. Ich habe heute eine Belehrung. Un peu inhabituel. Was ein bisschen ungewohnt ist. C'est rare d'écouter de tels types de messages. Es ist selten, solche Arten von Botschaften zu hören. Dans les églises. In den Gemeinden. Et même y a des versets. Und es gibt selbst Verse. Qui pourront être lus. Die auch gelesen werden könnten. Que les gens ne lisent jamais dans la Bible. Die Leute nie in der Bibel lesen. Ou bien quand les gens voient ça, oder wenn die Leute das sehen, dann gehen die daran vorbei. Au point même de trouver que ce verset-là est charnel. So bis zu dem Punkt, dass sie finden, dass dieser Vers fleischlich ist. C'est un message très important. Es ist eine wichtige Botschaft. Et je pense que le Seigneur a voulu que nous revenions pour que je ne sois pas trop chaud physiquement. Also ich glaube, der Herr hat erlaubt, dass wir so spät nach Hause kommen, damit notre ich ein bisschen erschöpft bin, damit die Botschaft gut ankommt. Je veillerai à te suivre.
Danke. Ma Gimel. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel 18. Du verset 1 au verset 4. Vers 1 bis 4. Ah, quand je venais dans la voiture, als ich im Auto kam, j'ai suivi l'adoration. Habe ich die Anbetung verfolgt. J'étais très content, Rose, ich war sehr froh, Rose, de voir pour la première fois, si mal, j'ai bonne mémoire, wenn ich, que tu as entonné un chant, dass du ein Lied gesungen hast. Vaitazo, das ist gut so. Vaitazo. Pourquoi vous ne l'avez pas acclamé? Wieso habt ihr nicht applaudiert? C'était vraiment bien. Vaitazo. Das war wirklich gut, Rose. Ouais, ouais. C'était bien. Es war gut. On pouvait sentir qu'il y avait un peu de frousse pour moi, un dirigeant de la chorale. Man hat gemerkt, da gab es kleine Flauseln, aber. Mais je crois qu'après deux, trois fois. Aber nach zwei, drei Malen, wo du drinnen warst, war gut. Et tu as le timbre vocal un peu comme le timbre vocal de Mama Sophie. Und du hast so eine Stimmfarbe ein bisschen wie Mama Sophie. Donc comme sa voix, on l'écoute plus trop. Voilà, ça va vraiment nous aider. Wenn wir nicht mehr so oft hören, bist du der gute Ersatz dafür. 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel 18, verset 1 au verset 4. Vers 1 bis 4. La Bible stipule ce qui suit. Die Bibel sagt, was folgt. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est très grave ça. David allait et réussissait. Lisons-le quand même, le verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Seigneur, Vater, de la même manière que tu m'as enseigné. Auf dieselbe Weise, wie du mich belehrt hast. Enseigne-nous également. Belehre uns nochmal. Dans le nom de Jésus. In Namen Jesus. Et tous les saints disent Amen. Und alle Heiligen sagen Amen. Prenons place, restez Setzen calme. Wir uns, bleiben wir ruhig. Et écrivez. Und schreiben wir mit. Ou enregistrez. Oder nehmen wir auf. Nous ne cesserons toujours pas de remercier l'équipe technique pour les efforts qu'ils ont faits pour améliorer la qualité de l'image et du son. Que Dieu vous bénisse. Restons un peu d'abord dans ce verset. La Bible dit que David avait achevé de parler à Saül. Die Bibel sagt, dass David aufgehört hatte, damit zu Saul, mit Saul zu sprechen. Et David parlait à Saül und sur sa foi de pouvoir battre Goliath. Und David sprach mit Saul darüber, über seinen Glauben darüber, Goliath schlagen zu können. La Bible dit, quand David a fini de parler, die Bibel sagt, als David aufgehört hatte zu sprechen, je ne sais pas, pasteur, ich weiß nicht, pasteur, peut-être que dans les informations que vous avez, Paul n'était pas éloquent. Paulus war nicht éloquent. Moïse n'était pas éloquent. Je ne sais pas, Mose David, ebenfalls nicht. Quel est son cas, ich je ne sais nicht, pas. Wie es bei ihm war. Mais quand il a fini de parler, aber als er aufhörte zu sprechen, le cœur de Jonathan était troublé. War das Herz von Jonathan verwirrt. La Bible dit, die Bibel sagt, dès lors, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Ça, c'est le un. Das ist das Erste. C'est-à-dire quoi? Das heißt was? Quand on dit l'âme de Jonathan, wenn man spricht von der Seele von Jonathan, s'attacha à l'âme de David. Verband sich mit der Seele von David. Donc les choses qui ont attaché
attachait le cœur de Jonathan à David était premièrement des valeurs intérieures. Das heißt, das, was dazu gebracht hat, dass die Seele von Jonathan sich mit der Seele von David verbindet, waren die Innenqualität. Par ce qui sortait, qui se dégageait de son intérieur. Er war davon berührt, von das, was von seinem Inneren herauskam. Je vais dire ça dans le terme simple. Ich werde das ganz einfach ausdrücken. Ou habituel. Oder gewöhnlich ausdrücken. Il était devenu fan de David. Er war ein Fan Davids geworden. Il est devenu amoureux de David. Er war ein geliebter Davids geworden oder verliebt in David geworden. Parce que ce qui l'a frappé. Denn was ihn berührt hat. La Bible dit quand il a fini de parler. Die Bibel sagt, als er aufhörte zu sprechen. On dit l'âme de Jonathan. Man sagt die Seele Jonathans. Pas le corps. Nicht der Körper, mais l'âme. Aber die Seele. C'est-à-dire son être intérieur. Das heißt sein inneres Dasein. S'est attaché à l'homme intérieur. Das hat sich an das innere Dasein von David gebunden. Mais regardez bien. Aber schaut gut. Le contraire n'est pas dit dans la Bible. Das Gegenteil ist nicht in der Bibel gesagt worden. Il n'est pas dit. Es wurde nicht gesagt. Jusqu'à ce que je fouillais ce matin. Bis ich heute Morgen eben durchsucht habe in der Bibel. Que l'âme de David, dass die Seele Davids était aussi attachée à l'âme de Jonathan. Sich auch an die Seele von Jonathan gebunden hat. Est-ce que tu me suis bien? Folgst du mir gut? Hein? Le repas aujourd'hui va être un peu très pimenté. Also das Gericht heute wird etwas scharf sein. Et la Bible dit, und die Bibel sagt, ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père, c'est-à-dire son père Isaïe. Vers 2 ist das? Hein? C'est quel verset? Le verset 2. Yes. Et la Bible dit, Jonathan fit alliance avec David. On n'a pas dit que David a fait alliance avec Jonathan. Also die Bibel, mais c'est Jonathan qui a fait alliance avec die David. Die Bibel sagt, dass Jonathan einen Bund mit David machte, aber nicht, dass David einen Bund mit Jonathan machte. Parce qu'aujourd'hui, je parle de principe. Faut pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Denn man soll nicht das sagen, was die Bibel nicht gesagt hat. La Bible dit Jonathan. Die Bibel sagt Jonathan. Il ôta ses vêtements. Hat seine Kleidung abgenommen, also sein Obergewand. Levez le manteau. Hat sein Obergewand il abgenommen. A pris son arc. Il a pris son épée. Er hat seine Waffengewand il a même genommen. Enlevé la ceinture. Er hat seinen Gürtel abgenommen, sein Schwert genommen. Et il a donné à David. Seinen Bogen genommen und das hat David gegeben. Pour faire alliance avec lui. Um ein Bündnis mit ihm parce einzugehen. Que son âme denn seine Seele était attachée, était entre guillemets séduite par l'âme de David. War quasi eingenommen von der Seele Davids. Je veux parler ce matin. Ich werde heute Morgen comment servir avec excellence auprès d'un homme oint. Darüber sprechen, wie man mit Exzellenz neben einem gesalbten Mann arbeiten kann oder dienen kann. Par homme oint, j'ai déjà prêché ici la différence entre l'homme oint et l'homme de Dieu. Ich habe schon den Unterschied gepredigt zwischen einem gesalbten Mann und einem Mann Gottes. L'homme oint peut être un homme de Dieu. Ein gesalbter Gott ist kein ein Mann Gottes. Mais ça peut être un politicien. Aber es kann auch ein Politiker sein. Ça peut même être un païen que Dieu utilise. Es kann selbst ein Heide sein, den Gott benutzt. Donc je veux que tu comprennes ce message. Also ich möchte, dass du die Botschaft verstehst. Comme un secret que je te donne. Wie ein Geheimnis, das ich dir an die Hand lege. Pour savoir comment tu peux t'approcher d'un homme qui est élevé, d'un homme qui est grand dans le monde, dans la Bible, dans les choses de Dieu et servir avec excellence à ses côtés. Um dir quasi zu zeigen, wie du dich einen großen Mann Gottes oder einen großen Mann in der Welt annähern kannst und ihm wirklich mit Exzellenz zu dienen. Parce que l'homme élevé, un homme ouais, on ne l'approche pas n'importe comment. Denn ein gesalbter oder ein erhobener Mann, den kann man sich nicht einfach irgendwie annähern. Ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher et entrer dans le carré proche de l'homme. Es kann nicht jeder einfach sich den Mann Gottes annähern. Que ce soit un président, ob es ein Präsident ist, oder ein Minister, un roi, ein König, ein Pastor, ein Prophet, un apôtre, oder ein Apostel. Parce que weil il y a là la vie et la mort. Weil es dort das Leben und den Tod gibt.
Qu'est-ce que je dois faire? Was kann ich tun? Qu'est-ce que je dois savoir? Was muss ich tun? Was muss ich wissen? S'attacher à un homme loin. Sich an einen gesalbten Mann binden. Dans les choses de Dieu. In den Dingen Gottes. Comme dans le monde. Wie in der Welt. Peut te coûter la vie. Kann dir das Leben kosten. Comme aussi, ça peut te propulser loin. Wie es dir auch propulser. Also wie es dich auch nach vorne katapultieren kann im Leben oder nach vorne bringen kann. Tout ne dépend pas de ton David. Es hängt nicht alles ab von deinem David. Mais tout dépend de comment Jonathan s'approche de David. Aber es hängt davon ab, wie Jonathan sich David nähert. Pourquoi? Wieso? Parce que celui que Dieu a appelé et a béni est béni. Denn denjenigen, den Gott berufen hat, der ist gesegnet. Numbers chapter 22:23. Numeri 22:23. La Bible dit. Die Bibel sagt. Tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Du kannst nicht den verfluchen, den der Herr gesegnet hat. C'est-à-dire quand Dieu a déjà béni cet homme. Das heißt, wenn der Herr diesen Mann schon gesegnet hat. Femme, und diese Frau. Dieu a déjà béni. Dann hat er schon gesegnet. Écrivez-le. Schreibt es jetzt auf. Tu ne peux pas ôter la bénédiction que Dieu a déjà déversée sur quelqu'un. Du kannst den Segen, den der Herr über jemanden ausgeschüttet hat, nicht mehr wegnehmen. Balaam a tout fait pour maudire le peuple de Dieu. Balaam hat alles getan, um das Volk Gottes zu verfolgen. Balaam a utilisé toute l'influence. Mit allen Einflüssen, den er benutzen konnte. Et la réponse était, aber die Antwort war, ce peuple est béni. Dieses Volk ist gesegnet. Il est béni. Und es ist gesegnet. Et personne ne peut le revoir. Und keiner kann es wieder zurücknehmen. Donc le problème, das heißt, das Problem, ce n'est pas David, ist nicht David, mais c'est Jonathan. Aber es ist Jonathan. David n'a pas fait alliance avec Jonathan. David hat kein Bündnis mit Jonathan. David gemacht. N'a pas enlevé ses habits. Er hat seine Klamotten auch nicht ausgezogen Jonathan. Für Jonathan. L'âme de David, si c'était Seele aussi Davids, attiré par l'âme de Jonathan, la Bible ne nous dit pas. Ob es auch angezogen wurde von der Seele Jonathans, die Bibel sagt es uns nicht. Mais c'est l'âme de Jonathan qu'on nous confirme qu'il s'est attaché parce qu'il a découvert quelque chose. Aber es die Bibel bestätigt uns, dass die Seele von Jonathan etwas gefunden hat in David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche ich zu jemandem? Est-ce que tu peux faire comme ça pour kannst que je sois rassuré? Kannst du einmal mit der Hand wählen, damit ich sicher bin? La Bible dit Jonathan est allé jusqu'au niveau où. Die Bibel sagt, Jonathan ist bis zu diesem Punkt gekommen, wo. Il a donné, la Bible dit même son épée et son arc. Die Bibel sagt sogar sein Schwert. J'aime beaucoup cette phrase. Ich liebe sehr diesen Satz. Parce que là je dis que Jonathan s'est livré à David. C'est-à-dire, il a donné à David les choses que David peut utiliser pour tuer son propre père. Das heißt, Jonathan hat sich komplett David hingegeben. Er hat ihm das gegeben, womit David eben seinen Vater bekämpfen konnte. N'oubliez pas que Jonathan est le fils de Saul que David va remplacer. Denn vergesst nicht, dass Jonathan der Sohn von Saul ist, den der König, den David hinterher ersetzen wird. Donc, il y a un roi ou un président. Das heißt, es ist ein Roi, la prophétie ein dit, Präsident, die Prophezeiung sagt, on a déjà un autre, man hat schon einen anderen gesalbt, qui va prendre ta place. Der deinen Platz nehmen wird. C'est-à-dire, ton père va prendre sa, perdre sa place. Das heißt, der, dieser Mann toi wird aussi, tu vas perdre tous les avantages de votre place. Das heißt, dein Vater wird seinen Platz verlieren und du wirst auch alle Vorteile verlieren, die damit einhergehen. Et ton fils aîné und dein ältester Sohn va s'attacher wird sich oder à celui qui va remplacer son père. Mit demjenigen, der seinen Vater ersetzen wird. Parce qu'il a vu l'huile de Dieu. Weil er das Öl Gottes über diesen Mann gesehen hat. Quand vous lisez les textes, wenn ihr diesen Text lest, il dévoilait tous les plans et les secrets de son père que son père préparait contre David. Dann werdet ihr sehen, dass er alles offenbart hat, was sein Vater plante gegen Jonathan David. Les prenait, Jonathan hat sie genommen. Et il allait informer David. Und ne hat David là-bas, informiert. Pas, parce que si tu geh nicht là-bas, nach da, tu das nicht, weil wenn du nach da gehst, passiert das. Est devenu, das heißt, Jonathan ist
traître de son père en faveur de l'homme oint. Verräter geworden gegenüber seinem Vater zum Gunsten vom gesalbten Mann. Vous entendez ça? Hört ihr das? Pourquoi? Wieso? Tout a commencé par alles hat angefangen mit son âme mit seiner Seele a aimé l'âme de David. Hat die Seele Davids geliebt. Ich habe eine Predigt, die ich hier schon mal gepredigt habe, schon vor Jahren. Ich habe es auch in Paris gepredigt. Le titre und auch fatale de Jonathan. Der Titel ist L'erreur fatale de Jonathan. Die Re fatale von Jonathan. Die fatalen Fehler von Jonathan. La Bible me dit, die Bibel sagt, le premier jour où finalement Jonathan devait faire le choix entre David et Saül. Wo Jonathan eben die letzte Entscheidung treffen musste zwischen Saul und David. Parce que les Philistins ont attaqué encore Israël. Denn die Philister haben Israel wieder attackiert. Alors Jonathan n'avait plus de choix. Also hatte Jonathan keine Wahl mehr. Il est allé vers David. Er ist zu David. Il a dit à David. Und hat David gesagt: Okay, va en paix. Geh in Frieden. Il a embrassé. Er hat ihn umarmt. Il a fait un bisou. Er hat ihm einen Kuss gegeben. Il a dit, je dois aller combattre auprès de mon père. Ich muss neben meinem Vater kämpfen. Quand il est rentré, als er gegangen ist, la première personne qui est morte dans cette guerre, die erste Person, die in diesem Krieg gestorben ist, c'est Jonathan. Ist Jonathan. Un vieux Togolais m'a dit ceci. Ein alter Togolese hat gesagt, il me conduisait sur les rues de Lomé. Er hat mich, ist mich gefahren. Je venais de prêcher, il me ramenait à l'hôtel Ibis. Ich hatte gepredigt und hat mich zurückgebracht in Hotel Ibis. Et en plus, c'est juste au bord de la mer. C'est très und beau. Das Hotel war direkt gegenüber vom Meer. Alors, il me ramenait dans mon hôtel. Also hat er mich in mein Hotel gebracht. Et il m'a dit, und er hat mir gesagt, Papa, tu vois, depuis que je te conduis là, Vater, seit ich dich fahre, j'ai vu des gens que dont j'entends seulement parler. Habe ich Leute gesehen, von denen ich nur sprechen höre. Comment moi je pouvais venir dans ça, c'est l'un des hôtels le plus luxueux. Wie konnte ich überhaupt jemals dieses Hotel betreten? Das ist eines der luxuriösesten Hotels hier. Seulement. Wir gehen immer nur dran vorbei. On va faire la commande. Je vais commencer comment? Wie soll ich überhaupt da anfangen? Parce que même la nourriture prend la moitié de mon salaire. Denn selbst das Essen ist die Hälfte meines Lohns. Et il m'a dit ceci. Und er hat mir Folgendes gesagt. C'est pourquoi, apôtre, deswegen, Apostel, si tu veux voir les rois, wenn du den König sehen willst, si tu veux rencontrer les rois, wenn du den König begegnen möchtest, il faut porter le sac du roi. Musst du die Tasche des Königs tragen. Si tu portes le sac du roi, wenn du die Tasche des Königs trägst, partout où le roi va aller, überall, wo der König hingehen wird, pour entrer, um reinzugehen, on te laissera entrer. Man wird dich reinlassen. Parce que tu portes son sac. Weil du seine Tasche trägst. Et quand tu vas entrer, und wenn du reingehst, tu vas voir les gens là que tu ne vois qu'à la télévision. Wirst du die Leute sehen, die du nur im Fernseher siehst. Je vous dis des choses très sérieuses aujourd'hui. Ich sage euch wirklich ernste Dinge heute. Ce n'est que l'introduction. Es ist nur die Einleitung. C'est pourquoi deswegen tu dois faire attention à quelque chose. Musst du aufpassen auf etwas. N'attends pas que l'homme oint. Warte nicht darauf, dass der gesalbte Mann fasse pour toi für dich ce que toi tu fais pour lui. Das tut, was du für ihn tust. Ça peut être une très grosse erreur. Das könnte ein großer Fehler sein. Parce que tu as quelque chose à obtenir de lui. Denn du hast etwas, was du von ihm bekommen kannst. Lui aussi peut apprendre de toi. Er kann auch von dir lernen. Ja, das stimmt. Mais la grâce et l'onction qui est sur lui. Aber die Gnade und Salbung, die über ihn ist. Tu en as besoin. Du brauchst sie. Il peut t'ouvrir les portes. Er kann dir Türen öffnen. Il peut te fermer les portes. Und er kann dir aber auch die Türen schließen. Je peux dire quelque chose de très choquant. Kann très ich fort. Etwas sagen, was vielleicht schockierend sein könnte? Je peux te pardonner les péchés. Ich kann dir die Sünden vergeben. Et je peux te retenir le péché. Und ich kann sie dir moi vorenthalten. C'est écrit dans la Bible. Das steht in der Bibel. La Bible, Dieu, Jésus dit aux disciples. Die Bibel, Gott sagt zu den Jüngern. Celui à qui vous pardonnerez les péchés. Den ihr vergebt die Sünden. Sera pardonné.
dem wird vergeben. Mais celui à qui vous retiendrez le péché. Aber von denen ihr die Sünden leur seront retenus. Dessen Sünden werden vorbehalten. Tu as déjà lu ça? Habt ihr das schon mal gelesen? Allô? Tu as déjà lu ça? Habt ihr das schon gelesen? C'est-à-dire, je peux te retenir le péché. Das heißt, ich kann dir die Sünden vorenthalten. Je dis Seigneur. Das heißt, oui, là, Herr, moi, je retiens le péché. Deine Sünden behalte ich mir pas vor. De pardon. Keine Vergebung. Et le ciel aussi ne te pardonne pas. Und der Himmel wird dir dann auch nicht vergeben. C'est pourquoi. Deswegen. Dès que tu vis aux côtés d'un homme loin, sobald du neben einem gesalbten Mann lebst, ein Gott, ein Mann, den der Herr berufen hat, pas moi quoi, pour une mission spéciale, ein Mann, den der Herr berufen hat für eine besondere Mission, für was auch immer, ob du seine Frau bist, que tu sois son enfant, ob du sein Kind bist, que tu sois qui que tu sois, ob du wer auch immer tu dois sein faire magst, attention, du musst aufpassen, parce que cet homme-là, denn dieser Mann ou cette femme, oder diese Frau peut être une bénédiction pour toi, kann ein Segen für dich sein, mais peut être un danger pour ta vie, aber kann auch eine Gefahr für dein Leben sein. Et d'ailleurs, und so oder so, tu ne peux pas vivre aux côtés d'un homme ou sans conséquence. Du kannst nicht neben einem gesalbten Mann leben ohne Konsequenz. Parce que tout ce qu'il affecte, denn das, was, alles, was en er gemacht bien hat, ou en mal, ob Gutes oder Schlechtes, ça t'affecte aussi. Es wird dich ebenfalls beeinflussen. Est-ce que je peux continuer? Kann ich fortfahren? C'est pourquoi. Deswegen. La première chose. Die erste Sache. Qui doit te pousser près d'un homme. Die dich zu einem gesalbten Mann Gottes ziehen muss. Tu dois l'aimer. Du musst ihn lieben. Tu ne dois pas l'aimer parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il a l'argent. Ihn nicht lieben, weil er Geld hat oder non. Gut aussieht oder gut angezogen ist. Nein. Mais tu dois d'abord aimer son intérieur. Aber du musst dein Inneres lieben. Parce que mon extérieur peut te mentir. Denn mein äußerer Schein kann dich trügen. L'apparence est trompeuse. Das Wort kann auch dich betrügen. Der Anschein kann dich trügen. Mais tu dois aimer l'homme intérieur que je suis. Aber du musst den inneren Mann lieben. Qu'il est ou qu'elle est. Oder die sie ist. Il faut que tu dois être sûr. Du musst sicher sein. Que ton âme l'aime. Dass deine Seele ihn oder diese Person liebt. C'est la base de tout. Das ist die Basis von allem. Tu veux t'approcher de l'apôtre Martin. Du kannst dich dem Apostel tu veux Martin t'approcher de, c'est pas moi qui. Oder dich sonst wem. Est-ce que tu l'aimes? Aber liebst du diese Est-ce Person que ton âme aime cet homme liebt intérieur? Deine Seele diese Person, dein Inneres? Parce que si tu l'aimes, denn wenn du ihn liebst, tu es capable à faire beaucoup de choses qui vont suivre après. Dann bist du fähig, viele Dinge zu tun, die ich hinterher folgen. Tout ce que Jonathan fait. Alles, was Jonathan getan hat. Sauf la décision de quitter, de mourir. Außer diese Entscheidung zu gehen und zu sterben. La base était. Die Basis war. Il aimait cet homme. Er liebte diesen Mann. Est-ce que tu aimes ton leader? Liebst du deinen Leiter oder deinen Leader? Est-ce que tu aimes celui qui est élevé au-dessus de toi. Liebst du denjenigen, der über dich erhoben ist? Tu l'aimes? C'est ton âme qui l'aime? Liebt deine Seele ihn? Ou c'est la chair qui aime? Oder ist es das Aussehen, das Äußere, das er liebt? Il faut que ce que tu fais dans la chair, dans la nature, dans la das heißt, das, was du in der Natur soit l'expression de l'état de ton âme. De ton muss âme. Quasi das Innere, dein Inneres ausdrücken. Jonathan, Jonathan. Et il n'a pas attendu und er hat nicht gewartet. Que David l'aime aussi. Er hat nicht gehört, dass David ihn auch liebt. Il n'a pas vérifié si David l'aime aussi. Er hat auch nicht kontrolliert, ob David ihn ebenfalls liebt. Aber weil er verstanden hat, que l'onction de Dieu dass die Salbung Gottes est sur cet homme. Über diesen Mann la grâce de Dieu die Gnade est sur cet homme. Ist über diesen Mann. Un Chronique 11:1. 1. Chroniken 11:1. Ceux qui suivent les enseignements. Diejenigen, die die Belehrung und die es auch notieren. Connaissent 1. Chronique 11 verset 1. Kennen auch 1. Chroniken 11:1. La Bible dit là-bas. Die Bibel sagt da folgendes. Les anciens.
Die et le peuple d'Israël. Und die Völker, das Volk vers David, encore toujours David. Die gehen Richtung David, immer noch et David. Ils dirent à David. Und sie sagen zu David, à partir d'aujourd'hui, ab heute, nous devenons les os de tes os. Werden wir die Knochen deiner Knochen. Et la chair de ta chair. Und das Leib deines Leibes. Parce que nous savons, weil wir wissen, que Dieu t'a choisi. Dass Gott dich auserwählt hat. C'est Adam qui avait dit à Ève, voici cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. Denn Adam hatte zu Eva gesagt, das ist der Knochen meiner Knochen, das Leib meines Leibes. C'est-à-dire, un jour Roland a dit à Niki, eines Tages hat quand Roland il a dit, hey, voici cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. Das ist mein Knochen und das ist mais dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 1, Vers 1. Ce n'est pas Roland qui le dit. Da sagt es nicht Roland. Mais c'est Niki qui dit. Aber Niki quasi sagt je es. Deviens. Ich werde. L'os de tes os. Leib deines Leibes. Et chair de ta chair. Knochen deines Knochens und Leib deines Leibes. C'est-à-dire. Das heißt. Tu deviens la référence, le repère de ma vie. Du wirst die Referenz meines Lebens. Même si je ne lis pas, balancez le verset. Selbst wenn ich es nicht lese, aber das ist der Vers hier. Ils ont pris la décision. Sie haben die Entscheidung getroffen. De s'attacher en chair et en os. Sich in Knochen und Leib à David. An David zu binden. Il n'y a qu'un homme qui peut dire à sa femme, voici l'os de mes os et chair de ma chair. Nur ein Mann kann zu seiner Frau sagen, das ist der Knochen meiner Knochen und das Leib meines Leibes. Mais ici nous voyons les anciens d'Israël. Aber hier sehen wir die ältesten Israel. Ensemble avec le peuple. Gemeinsam mit dem Volk. Prendre la décision. Die Entscheidung treffen. De devenir l'os des os de David. Dass sie die Knochen von Davids Knochen chair werden. De la chair de David. Und Leib von Davids Leib werden. C'est-à-dire nous t'aimons. Das heißt, wir lieben dich. Comme on dit dans nos pays, et nous mourons pour toi. Und wie wir das bei uns sagen, und wir sterben für dich. La Bible dit, die Bibel sagt, il n'y a pas de plus grand amour, es gibt keine größere Liebe, que de donner sa vie, als sein Leben zu geben, pour celui qu'on aime. Für denjenigen, den man liebt. Ça va? Ça va? Geht's euch gut? Vous êtes sûr, ça va? Seid ihr sicher, dass es euch gut geht? Ne t'approche pas d'un homme ou un. Nähere dich also nicht einem gesalbten Mann. Si déjà au fond de ton cœur tu ne l'aimes pas. Wenn du schon im Inneren deines Herzens ihn nicht magst. Et sois aussi sûr. Und sei aber auch sicher. Il peut prier pour tout le monde. Er kann für jeden beten. Tout le monde peut être guéri. Jeder kann geheilt sein. Mais s'il prie pour toi. Aber wenn er für dich betet. Rien ne va marcher. Nichts wird funktionieren. Le problème ce n'est pas son onction. Das Problem ist nicht seine Salbung. Le problème c'est toi. Aber das Problem bist du. Nous tous nous avons fait l'anglais. Wir alle haben Englisch gelernt. In der Schule. Combien de nous parlent encore l'anglais? Wie viele von uns sprechen noch Englisch? Combien de nous? Wie viele von uns? Pourquoi? Wieso? Parce que beaucoup n'aimaient pas les profs d'anglais. Weil viele die Englischlehrer nicht mochten. Nous tous, nous avons fait les maths. Wir alle haben Mathematik gemacht. Est-ce que nous tous, nous faisons bien les maths? Aber sind wir alle wirklich gut darin? Tu verras peut-être parce que le professeur que tu n'aimes pas, dès der que professor, tu regardes, den du nicht dès que tu regardes sobald du einfach nur Mathematik siehst, hast du schon keine Lust. Et le prof, et sa matière, même s'il s'habille comment, egal wie der Professor sich anzieht, tout ce qu'il, ça t'énerve. Alles, was er sagt und tut, es nervt. Et du coup, tu ne peux rien recevoir de lui. Und nichts kannst du dann gut empfangen. Un secret. Ein Geheimnis. Si tu veux apprendre quelque chose, wenn du etwas lernen willst, force-toi à aimer cette personne. Dann gib dir Mühe, quand diese Person zu mögen. Prof, tu vas aimer sa matière, wirst du sein Fach mögen, et ça va devenir facile. Und es wird einfach werden. Comme ça, quand tu vas finir, und so, wenn du fertig si tu bist, veux haïr, tu peux haïr encore. Wenn du ihn hassen willst, kannst du ihn weiter hassen. Mais aime-le quand même d'abord. Aber liebe ihn trotzdem zuerst. Pour apprendre ce qu'il a. Um das zu lernen, was er hat. Deuxièmement. Zweitens. Tu veux t'approcher d'un homme ouin. Du willst dich einen gesalbten Mann nähern. Pour servir à ses côtés. Um ihn an seiner Seite zu dienen. Tu dois te munir de son esprit. Dann musst du dich einnehmen lassen von seinem Geist. Tu dois te munir das heißt, du musst dich einlassen von seinem Geist. C'est-à-dire quoi? Das bedeutet was? Tu dois voir l'esprit de Dieu, du musst den Geist Gottes haben, mais aussi l'esprit de l'homme de Dieu. Aber auch den Geist von Mann Gottes.
Dieu va dire à Moïse dans Nombre chapitre 11. Gott wird zu Mose sagen in Numeri 11. Nombre chapitre 11. Numeri 11. Vous pouvez lire ça à partir du verset 16. Ihr könnt es lesen ab Vers 16. Dieu dit, Gott sagt, Moïse, Mose, va, geh, choisir les gens qui vont travailler proche de toi. Und suche die Leute aus, die neben dir dienen werden. Et je prendrai de ton esprit. Und ich werde von deinem Geist nehmen. Et je mettrai sur eux. Und ich werde es auf sie legen. Afin qu'ils servent à tes côtés. So dass sie an deiner Seite dienen. Qu'ils portent la charge avec toi. Und dass sie mit dir diese Last tragen. Quand tu sers auprès d'un homme de Dieu. Wenn du neben einem Diener Gottes dienst. Automatiquement tu portes la charge qu'il porte avec lui. Automatisch trägst du die Last, die er trägt. Et pour y arriver. Um es zu schaffen, après l'amour, nach der Liebe, tu dois avoir son esprit. Musst du seinen Geist haben. Il faut pas avoir honte ni peur. Du sollst keine Angst haben oder dich schämen. Toi vraiment, on voit vraiment l'esprit de l'apôtre Martin. Zu sagen, ja du, man sieht wirklich den Geist von Apostel Martin in dir. Tu ne peux pas prétendre servir, maman, le pasteur, le ministère, c'est quoi? Ton église. Église luthérienne où se trouve notre pasteur? Die Gemeinde unserer Pastorin, tu es à ses pieds? Sie ist, du bist an ihren Füßen. Tu es là 5 ans, 7 ans, 10 ans. Du bist da 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre. Mais on ne voit pas ton pasteur en toi. Aber man sieht deinen Pastor nicht in dir. Ni dans sa manière de s'habiller. Nicht mal in deiner ni dans sa manière de parler. Oder deine ni dans sa manière de concevoir les choses. Ni dans sa manière de gérer les choses. Oder die Dinge zu handeln. On ne voit rien. Man sieht nichts. Il y a un problème. Es gibt dann ein Problem. Tu ne peux pas t'attacher avec quelqu'un. Du kannst dich nicht an jemanden binden. Tu finiras par avoir son visage. Du wirst damit enden, sein Gesicht zu haben. Je vous dis vrai. Ich bin ernst. Tout le monde croyait que Mama Vili est ma petite sœur. Jeder glaubte, dass Mama Vili meine kleine Schwester ist. Surtout avec son corps là. Insbesondere mit ihrem Körperbau. Elle était comme toutes mes petites sœurs. Sie war genau wie alle meine kleinen Schwestern. Alors que nous n'avons que le quart de 2 ans. Obwohl wir nur einen Unterschied haben von 2 Jahren. Moi, je parais beaucoup vieux, elle, c'est comme les Shekina et les autres. Bei mir, ich sah so alt aus und sie wie Shekina und die anderen. Parce qu'à un certain moment, on commençait à la voir comme moi, comme mes frères, mes soeurs. Weil einen Moment hat man sie gesehen wie meine Geschwister. Je me souviens, quelqu'un m'a critiqué. Ich erinnere mich, eine Person hat gesagt, on a vu frère Martin avec une petite fille. Man hat Bruder Martin gesehen mit einem jungen Mädchen. À l'époque, au pays. Früher, als sie noch in der Heimat. Regardez le pasteur Christian et Mama Sophia. Aber seht den Pastor Christian und Mama Sophia. Si tu te ressembles pas ton mari à ta femme, il y a un problème. Wenn du deinem Mann oder deiner Frau nicht ähnelst, dann gibt's ein Problem. Bon, pour ceux qui viennent de se marier, pas de problème, ça va venir petit à petit. Für diejenigen, die gerade erst geheiratet haben, kann, quelqu'un peut dire amen. Kann jemand Amen quelqu'un sagen? Peut dire amen. Kann jemand Amen sagen? Un certain moment, ab einem Moment j'ai commencé à prier, habe ich angefangen et zu dans beten. Ma prière, à la fin, je disais, und im Gebet, was ich et gemacht tous habe, les saints disent, und alle Heiligen sagen Amen. C'est ma façon, en fait, de communiquer certaines choses à l'église. Es ist meine Art und Weise, einige Dinge der Gemeinde mitzuteilen. Mais je n'ai demandé à personne de prier comme ich habe aber niemanden darum gebeten, so wie ich zu beten. Un jour, aber eines Tages, j'entends le pasteur Christian prier. Ich will der Pastor Christian et à la fin de sa prière, und am Ende seines Gebets et tous les saints disent, Amen. J'ai vu l'ancien Herman. Et tous les saints disent, Amen. Amen. Donc si toi tu ne dis pas tous les services amen, tu as un problème avec l'esprit du leader. Hast du ein Problem mit deinem Geist? Qui dit encore amen? Wer sagt noch amen? Qui dit encore amen? Nochmal amen. Qui dit encore amen? Nochmal amen. Parce que tu dois voir. Moi je ne ressemble pas beaucoup à mon père. Ich ähnle nicht wirklich meinem Vater. Je ressemble beaucoup à mon oncle. Ich sehe eigentlich wirklich wie mein Onkel aus. Ich weiß nicht, ob es offen ist. Mais quand tu regardes, aber wenn du schaust, c'est mon petit frère, es ist mein kleiner Bruder aus Österreich, qui ressemble beaucoup à mon père. Der meinem Vater ähnelt. Mais quand les gens me voient, aber wenn die Leute mich sehen, disent, sagen sie, voilà le petit François. Das ist der kleine François. Also sein Vater.
Ça va passionner toute l'église, juste das wird jetzt nicht durch die ganze Gemeinde gehen, nur drei, vier Leute. Mais si tu vois mon oncle, aber wenn du meinen Onkel siehst, mes enfants vivent mon oncle, meine Kinder haben meinen Onkel et ma façon de marcher. Und das ist meine Art und Weise zu laufen. Tu vois, ouais, comme Sharon marche. Wie sieht er, wie non, Sharon läuft? On marche comme ça. Wir laufen genau so. Tu regardes Shaira, tu vois, du, moi, Shaira, tu vois mon oncle, du siehst là. Mich und auch meinen Onkel. Tu regardes Sharon et la du taille. Sharon und seine Form. Mon oncle. Onkel. Vous savez c'est quel oncle? Wisst ihr welchen Onkel? Oncle Philibert. Onkel Philibert. Vous l'avez vu ou non? Quand vous êtes allé voir maman, vous avez vu l'oncle Philibert? Quelqu'un rencontre Marville. Jemand begegnet Marville. Tout le monde, quand il regarde Marville, dit ah c'est sa maman. Alle, wenn die Marville sehen, sagen die seine Mutter. Mais ma petite soeur. Aber meine kleine Schwester. Est dans le métro. Ist in der Bahn. Il voit un garçon là-bas. Sie sieht einen Jungen ganz weit drüben. La seule personne qu'il voit. Die einzige Person, die er sieht. Son grand frère. Die sie gesehen hat, war parce ihr großer Bruder. Jamais vu. Weil sie hat ihn nie gesehen. Son cœur battait. Aber ihr Herz hat gepocht. Il s'est, ma petite soeur s'est déplacée. Meine kleine Schwester hat sich fortbewegt. Elle s'appelle Shuna. Sie heißt Shuna. Elle est allée vers Marville. Sie ist zu Marville gegangen. Il a dit, sie hat gesagt, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle? Il t'a posé quelle question? Sie hat dir welche Frage gestellt? Il dit, est-ce que tu connais un Dongala? Kennst du einen Dongala? Il a dit, oui. Er hat gesagt, ja. Il dit, sie sagte, donc tu es l'enfant de Martin. Also bist du der Sohn von großer Bruder Martin. Tout de suite. Sofort. Tu ressembles à Yamartin. Du siehst aus wie Yamartin. Et Marville est venu. Und Marville ist gekommen, hat sie angeschaut und sieht im Spiegel an, schaut sich an. Tu ne peux pas prendre tout. Du kannst nicht alles haben. Mais à toi. Aber il y aura les traces de ton père ou de ta mère. Es werden Spuren deines Vaters oder deiner la Mutter. Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Du belehrt die Natur euch denn nicht? Comment tu peux rester auprès de moi 10 ans? Wie kannst du 10 Jahre in der Nähe von mais mir sein? Mais ta prédication c'est toujours les mêmes ton les choses c'est comme si tu prêches comme si tu ne prêches pas. Es ist immer so, als würdest du predigen, als würdest du nicht predigen. Man weiß eigentlich nicht, was du da machst. L'esprit du leader. Der Geist des, der Leader, Leiterschaft, Leadership. Si tu n'es pas prêt, wenn du nicht bereit bist, ne t'approche pas de l'homme de Dieu. Dann nähe dich nicht einem Mann Gottes. Troisièmement, drittens, ton cœur dein Herz doit toujours se réjouir, muss sich immer erfreuen, quand tu vois wenn du de Dieu. Einen Mann Gottes siehst. Il faut que l'homme de Dieu, der Mann Gottes, l'homme ouais, der gesalbte Mann. Pardonne-moi de dire ça, Lingala. Entschuldige mich, dass auf Lingala jetzt sagen zum müssen. Il faut er muss sein Herz erfreuen. C'est-à-dire quand tu vois l'homme de Dieu. Das heißt, wenn du der Mann, il faut qu'il réjouisse ton cœur. Das muss dein Herz erfreuen. C'est très important. Es ist sehr wichtig. À chaque fois que j'entre, si toi tu t'énerves. Jedes Mal, wenn ich reinkomme und du ärgerst ou dich. Oder ich nerve dich. Mais c'est fini. Dann ist es vorbei. Du hast quasi damit eine Wand geschaffen zwischen dem Segen Gottes und dir selbst. C'est fini. Es ist vorbei. Tu ne peux pas t'approcher d'un homme loin. Du kannst dich nicht einem gesalbten si Mann nähern, wenn er nicht mal nichtmals dein Herz erfreut. C'est dans, je n'invente rien. Ich erfinde nichts. C'est dans Exode, chapitre 4. Da steht in Exodus 4, Verset 12 à 15. Vers 12 bis 15. Pastor Leita, quand tu vas rentrer, Pastorin Leita, wenn du zurückkehrst, si tu trouves quelqu'un qui n'est pas content, il se réjouit pas quand tu es proche. Wenn du jemanden findest, der sich nicht erfreut, wenn du kommst, dann entferne ihn. Moïse dit, je ne sais pas parler. Mose sagt, ich kann nicht sprechen. Je suis comme ceci. Ich bin so, ich bin so, ich bin schwach. La Bible dit, Dieu s'est énervé. Gott hat sich war genervt. Il a dit à Moïse, und hat zu Mose regarde, qui est-ce qui arrive là-bas? Schau, was gerade passiert. Il a dit, c'est Aaron. Das ist Aaron. Schau, alors, gerade tu vois Aaron qui arrive. Das ist Aaron, der gerade kommt. Quand il te verra, wenn er dich sieht, son cœur se réjouira. Wird sich sein Herz erfreuen. D'ailleurs, si tu vis avec un ami, wenn du mit einem Freund kommst, un frère, ein Bruder kommst, une soeur, oder eine Schwester, ou ta femme, ou ton oder deine mari, Frau oder dein Mann, si toi-même dans ton coeur, wenn du selbst in deinem Herzen, tu sais que ton coeur ne se réjouit plus, du weißt, dass dein Herz sich nicht mehr freut, wenn du diese Person siehst, dis-toi, oder sie siehst, dann sag dir selbst,
que tu as déjà cassé beaucoup de choses. Dass du schon viele Dinge kaputt gemacht hast. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Es gibt etwas, was nicht funktioniert. Comment quelqu'un tu travailles avec lui? Wie kann es sein, jemand mit dem du arbeitest? Il te donne pas la joie. Er gibt dir keine Freude. La joie. Die Freude. C'est de l'essence qui fait marcher toute chose. Ist quasi das Benzin, was alles zum Laufen bringt. Tout ce qui ne se fait pas avec joie. Alles, was nicht mit Freude geschieht, est mal fait. Ist schlecht gemacht. Est-ce que tu as... David a dit quoi? David hat was je gesagt. Suis dans la joie, ich bin in der Freude, wenn man mir sagt, gehen wir in das Haus des Herrn. Quand tu as quitté la maison. Wenn du das Haus verlassen hast, du das Haus avec joie que tu es venu? Bist du wirklich mit Freude gekommen? Est-ce que c'est avec joie? Ist es mit Freude, dass du gekommen ou bien bist? Bon. Oder ça fait 3 semaines, je suis pas parti. Bon, drei je Wochen bin ich nicht gegangen, ich gehe heute. Bon. Mon mari m'a énervé hier. Mein Mann hat mich gestern genervt. Comme ça, dimanche matin, je pars passer mon temps à l'église. Ach, da gehe ich lieber Sonntag in die Kirche und verbringe meine Zeit dort. L'homme qui vient passer son temps à l'église, der Mann, der parce seine que sa femme l'a énervé, in der Gemeinde verbringen will, weil seine Frau ihn geärgert hat. Oder andersrum. Ou comme nous a prêché le vendredi, oder wie mein Freitag gepredigt hat. Il est venu parce qu'il sait que er ist gekommen, weil er weiß, il doit récupérer son argent. Dass er sein Geld zurückholen parce qu'il doit récupérer les 10 euros. Weil er seine 10 Euro zurückholen il n'est pas venu au culte. Er ist nicht zum Gottesdienst gekommen. Et il se pose la question, le culte va terminer à quelle heure? Und er stellt sich stehen, so die Frage, parce qu'il est venu récupérer ses 10 euros. Weil er seine 10 Euro wieder haben möchte. On lui avait vendu les mèches. Man hat ihm Haare verkauft. Et le lieu de rencontre, c'est l'église. Und er möchte natürlich sein Geld dafür pour récupérer haben. L'argent. Et vous, vous comptez qu'aujourd'hui, nous étions 250. Und ihr zieht, wir waren heute 250. Or, dans 250 là, aber in diesen 250, il y a 30 qui étaient venus pour rencontrer Moussa pour acheter la nourriture. Waren 30 gekommen, um Moussa zu begegnen. Il y en a 20 qui étaient venus récupérer l'argent des cassettes et des livres de l'apôtre. 20 wollten noch Geld von Kassetten abholen. Et il y avait un autre, und es gab la sœur lui a dit, si tu veux me rencontrer, il faut venir chez moi à l'église. Ich habe gesagt, wenn du mir begegnen willst, musst du zu mir in die Gemeinde kommen. Vous pensez qu'il est venu rencontrer Dieu? Du denkst, er kommt für or, il est venu rencontrer la sœur ou le frère. Aber er ist, oder sie ist pour le mal ou la femme, versteht ihr? Mais David a dit. Aber David hat ce qui me montre. Vous voyez tout ce que je fais là? Seht ihr das, was ich hier mache? Je vous dis vrai. Ich sage ganz klar. J'aime ce que je fais. Ich liebe was ich et mache. Et ce que je fais, j'ai la joie de ce que und je fais. Ich habe die Freude von dem, was ich sans mache. Sans cela? Non. Ohne das niemals. Non. Niemals. Quand tu te verras. Wenn er dich wenn der dich sehen wird. Quand ton père entre à la maison. Wenn dein Vater zu Hause quand ta mère entre, wenn deine Mutter nach Hause kommt. Du Kind. Est-ce que tu te réjouis, maman est venue. Erfreust du dich, Papa ist gekommen, Mama ist gekommen. Même si ton grand frère selbst wenn dein großer Bruder kommt. Du boulot. Est-ce que tu comptes, grand frère bist du froh, ach, großer Bruder ist zurückgekommen. Si tu n'as pas cette joie-là, wenn du diese Freude nicht hast, y a un souci. Dann gibt es da ein Problem, eine Sorge. Quelqu'un peut dire amen. Kann jemand Amen sagen? Quelqu'un peut dire amen. Kann jemand Amen sagen? Vous savez, wisst ihr? Celui qui se réjouit dans son cœur pour toi. Wer sich im Herzen für dich freut. Premier point. Erster Punkt. Il n'a pas peur de te voir briller. Er hat keine Angst, dich strahlen zu sehen. C'est-à-dire quand tu brilles. Das heißt, wenn du im Leben strahlst. Hein? Ja. Quand je parle pas briller, tu es élevé. Ich meine, du bist erhoben. On parle de toi. Man spricht von dir. Parce qu'il est dans la joie pour toi. Weil er sich für dich freut. Il y aura pas de place pour la jalousie. Wird es keinen Platz geben für Eifersucht. Il y aura pas de place pour la médisance. Oder für Lästerei. Au contraire. À chaque fois que tu brilles, tu as quelque chose de nouveau, tu as quelque chose de bien. Mal, lui, ça lui fait la joie. Jedes Mal, wenn du etwas Neues hast oder etwas Gutes, parce que parfois, il y a des choses qu'il veut faire pour toi, mais il est limité, ou bien parce qu'il n'a pas l'argent. Si quelqu'un le fait pour toi, il est content de la joie. Und wenn etwas für dich dann so, mais celui qui ne t'aime pas, pasteur, qui n'a pas la joie dans son cœur de ta présence, le jour où Dieu va te lever, an dem Tag, wo la jalousie s'élève. An dem Tag, wo er sehen wird, wie erhoben du bist, wird sich die Eifersucht erheben. Celui qui n'a pas la joie comme Aaron, wer keine Freude hat, auprès d'un homme de Dieu, neben einem Mann Gottes, il va être jaloux, der wird eifersüchtig. Il va commencer à murmurer, der wird anfangen zu murren. Tu vas devenir traître, er wird ein Verräter. Tu vas devenir médisant, er wird ein Lästerer. Il va pas supporter ton élévation. Er wird deine Erhebung nicht aushalten. Et il va murmurer à chaque fois qu'on te bénit. Und er wird jedes Mal murren, wenn man dich segnet.
À chaque fois qu'on te bénit, jedes Mal, wenn man dich segnet, comme Judas, so wie Judas, oh, fallait prendre ce parfum, donner aux pauvres. Du hättest doch diesen Parfüm nehmen können und den Armen geben können. Vous pensez qu'il a les soucis des pauvres? Glaubt ihr wirklich, es geht ihm um die Armen? Ce n'est pas les soucis des pauvres. Nein, es geht ihm nicht um Ça die Armen. L'énerve. Es nervt ihn. Qu'une sœur verse du parfum sur toi. Dass sie das Parfüm über ihn ausgeschüttet wird. Et il prend encore ses cheveux. Und dann sie nimmt noch die Haare und wischt damit die Füße ab. Si cette sœur était congolaise, wenn diese Frau Kongolesin gewesen si wäre, cette sœur était africaine, oder Afrikanerin gewesen wäre, on allait la traiter de tout le monde. Man hätte mit sie beleidigt, mit jedem mögliche Beleidigung. L'esprit d'impudicité. Den Geist der Unzucht. L'esprit de Jezabel. Den Geist von Jezabel. Comment tu peux prendre tes cheveux? Tu sais pas que ça peut exciter l'homme de Dieu. Weißt du nicht, dass es den Mann Gottes ja erregen kann? Quatrièmement. Viertens. Tu dois être prêt à payer le prix. Du musst bereit sein, den Preis zu zahlen. Tu veux travailler avec un président? Du willst mit einem Präsidenten arbeiten? Tu veux travailler avec un ministre? Oder mit einem Minister? Tu veux travailler avec un gouverneur? Mit einem Gouverneur arbeiten? Avec un grand professeur d'université? Oder mit einem großen Professor der Universität? Tu veux travailler avec un homme de Dieu? Oder mit einem Gott? Tu dois être prêt à payer le prix. Du musst bereit sein, den Preis zu zahlen. Parce qu'il y a des moments où on est béni, ou il y a des moments où on est injuré. Denn es gibt Momente, wo man ihn segnet, aber auch, wo man ihn beleidigt. Il y a des moments où il est en forme, il y a des moments où il est faible. Es gibt Momente, wo stark ist, aber auch schwach sein kann. Il y a des moments où tout le monde l'élève, il y a des moments où tout le monde l'abaisse. Es gibt Momente, wo man erhoben wird, aber wo alle ihn auch niedermachen. Il y a des gens qui veulent le voir rester là. Es braucht Leute, die dort. Mais il y a des gens qui méditent nuit et jour. Comment doit mettre faire cet homme? Die quasi meditieren. Es gibt Leute, die wirklich Tag und Nacht darüber überlegen, wie man et diesen Mann machen kann. Und du bist an seinem Seite. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, wenn du nicht bereit bist, den Preis zu zahlen, dann verschwinde von da. Dann verschwinde von da. J'ai donné l'exemple de, ich habe ein Beispiel gegeben von Präsident Paul Biya. Von Präsident Paul Biya. J'espère qu'on va pas m'empêcher le visa. Ich hoffe, man wird mir kein Visum ablehnen oder wenn ich das nächste Mal hinfahre. Vous voyez son âge? Seht ihr sein Alter? Le grand-père est fatigué. Der Großvater ist müde. Il est fatigué. Er ist wirklich müde. En fait, s'il était un blanc, il allait dire, wenn ein Weißer wäre, hätte er gesagt, ist fertig. Il est fatigué. Er ist müde. On ne sait même plus, je réfléchis bien. Man weiß gar nicht mehr, ob er wirklich richtig überlegt. Denn ab einem bestimmten Alter gibt es die Demenz und alles Mögliche an Krankheiten. Autour de lui, il a des gardes du corps. Aber um ihn herum gibt es Bodyguards. Quelqu'un peut avoir de bonnes raisons de les tuer. Jemand kann einen guten Grund haben, ihn zu töten. Mais les gardes du corps ne le permettront pas. Aber die Bodyguards werden es niemals zulassen. Le garde du corps peut avoir 30 ans. Der Bodyguard kann 30 sein. Il a encore de l'avenir devant lui. Und hat noch eine Zukunft vor sich. Et notre papa a l'âge qu'il a. Und unser Großvater hat eben sein Alter, wie er geht. Sûrement plus de 85, entre 90, 90 et 100 peut-être. Ja, irgendwie zwischen 90 und ja. Mais tu sais ce qui va se passer? Wisst ihr aber, was passieren wird? Le jeune, der junge Mann, dès que quelqu'un tire, wenn jemand schießt, il va s'interposer, wird sich vor entre dem Großvater legen. Also zwischen dem, die Kugel, die ihn abfeuern möchte, und den Großvater. Il paye de sa vie. Er wird sein Leben mit seinem Leben bezahlen. Pour protéger peut-être quelqu'un qui va mourir le soir. Um jemanden zu beschützen, der vielleicht am Abend sterben könnte. Hm? Versteht ihr das? Hm? Quelqu'un m'a dit, jemand hat mir gesagt, il faut jamais épouser une femme qui est très belle. Man sollte niemals eine Frau heiraten, die sehr schön ist. Je dis pourquoi? Ich sagte wieso? Il a dit parce que tu épouses une femme qui est très belle. Er sagte, weil wenn du eine Frau heiratest, die sehr schön ist, regarder, dann werden die Leute sie immer anschauen und so weiter und so fort. Donc si tu n'as pas le cœur, das heißt, wenn du das Herz dafür hast, ça, das zu akzeptieren, n'épouse pas. Dann heirate sie lieber nicht. Trouve une femme, suche eine Frau, qui n'a ni éclat ni beauté. Pour attirer les regards, die nicht so eine Schönheit hat, um das Angesicht anderer anzuziehen, dann wird es dir gut gehen. Tu peux même la laisser aller au Japon un mois. Sie kann selbst nach Japan gehen, einen Monat lang.
tout ce que tu as. On est allé à Kinshasa, on a chanté. Wir sind nach Kinshasa gegangen, haben gesungen. Trésor, permets-moi de donner ce témoignage. Trésor, entschuldige mir dieses Zeug, das Parce gegeben. Que ta femme l'a dit aussi elle-même. Denn deine Frau hat es selbst auch gesagt. Als Shekinah und Shaira runtergehen, sie ist die erste, die runtergegangen ist. I love you. Einer hat gesagt, I love you, ich liebe dich, ich liebe dich, Shekinah, ich werde dich heiraten. Männer? Und dann? Trésor est à côté. Trésor war daneben. Si tu n'as pas de maîtrise, wenn du dich keine Selbstbeherrschung hast, tu vas commencer à te bagarrer partout, dann wirst du anfangen, partout, dich überall partout, zu prügeln. Partout, partout. Links, rechts zu prügeln. Tout ce que tu as de meilleur, à quoi tu t'attaches, tu dois être prêt à payer le prix. Egal an das Gute, woran du dich bindest, du musst bereit sein, den Preis zu zahlen. Est-ce que je parle dans l'esprit, dans le cœur? Spreche ich zum Geist oder dem Herzen von jemandem? Un Chronique 11. 1. Chroniken 11. 16 à 19. 16 bis 19. Nous ne lisons pas. Wir lesen es nicht. Mais balancez-moi ça. Aber projizieren wir das bitte, ce que je dis. Damit die Leute bestätigen können, was ich sage. Écoutez les prix à payer. Hört den Preis, den ihr zahlen sollt. Un jour. Eines Tages. Un jour. Eines Tages. David était assis. Saß David. Tel que le pasteur est assis. So wie der Pastor saß. Et puis le pasteur dit. Und der Pastor David sagt, a dit. David sagt. J'ai soif. Ich habe Durst. Il a dit. Er hat gesagt, j'ai soif. Ich habe Durst. Il n'a demandé à personne er le hat service. Niemanden um einen Dienst gebeten. Il a seulement dit, er hat nur j'ai gesagt, soif. Ich habe Durst. Les gens qui étaient tout autour die Leute, die um ihn herum waren, deux se sont levés. Zwei sind aufgestanden. Le seul endroit où ils pouvaient prendre de l'eau, der einzige Ort, wo sie Wasser holen konnten, c'était dans le puits des ennemis. War quasi im Brunnen der Feinde. C'est-à-dire pour trouver de l'eau pour David. Das heißt, um Wasser zu finden für ils David. Ils devraient aller dans le camp des ennemis. Mussten sie zu den Feinden. Or, quand tu vas dans le camp des ennemis, obwohl wenn du dahin gehst, soit tu n'entres pas, entweder kommst du nicht rein, ou tu vas entrer mais tu vas pas sortir. Oder du gehst rein, aber kommst nicht mehr raus. La Bible dit. Die Bibel sagt. Ceux de ces sols, ils ont seulement entendu que la chose. Haben nur gehört. Ils se sont levés. Sind aber sofort ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Sind zum Feind ils ont pisé de l'eau au risque de leur vie. Mit dem Risiko ihr Leben zu verlieren. Quelqu'un. Jemand. Un bon Africain dira pourquoi je vais mourir. Ein Afrikaner sagt, wieso sollte ich sterben für. D'ailleurs, il fait chaud ici, nous tous, c'est ce qu'on nous a donné de l'eau. Es ist eh was heiß, sie haben die Ich weiß, wie wir sprechen, ne? Ich weiß doch, wie wir sprechen hier. Est-ce qu'il n'y a que lui qui est homme? Gibt es nur den, der hier der Mann ist? Il n'y a que lui qui peut avoir soif. Nous tous, si on a soif. Wir alle. On a donné de l'eau à personne. Pourquoi on va. Wir alle haben Dieu. C'est le désert. Israël, c'est le désert. Israël. Donc il faisait chaud, il y avait un problème. Es war heiß. Mais ils ont couru au risque de leur vie. Aber sie sind gerannt, ihr Leben haben Wasser geschöpft und sind zurückgekommen. Ils ont donné, und die haben gesagt, Wasser, wo habt ihr? Dans le cas des ennemis. Ja, bei den Feinden. Il a dit, non. Er sagte, nein. Je ne peux pas me permettre ça. Das kann ich mir doch nicht erlauben. Je ne peux pas boire cette eau. Das kann ich nicht trinken. Parce que cette eau, denn dieses Wasser, vous l'avez eu au prix de votre sang. Ihr habt es geholt mit dem Preis, euer Leben verlieren zu können. Vous entendez? Oder mit dem Preis eures Blutes. David a dit, David hat gesagt, je ne peux pas boire cette ich kann das nicht trinken, das Wasser, parce que weil c'est au prix de votre sang, es ist zum Preis eures Blutes gewesen, que vous avez amené cette eau, dass ihr dieses Wasser hergebracht habt. Mais ça, c'était pas leur problème. Aber das war nicht deren Problem. Ils avaient dit, die hatten gesagt, nous serons l'os de tes os, die werden die Knochen deiner Knochen sein und das Leib deines Leibes sein. Vous prenez des engagements, ihr nehmt ein Engagement, que vous ne respectez pas, dass ihr nicht respektiert, dass ihr nicht einmal versteht. In guten wie in schlechten Zeiten. Chérie, Schatz, je serai pour toi. Ich werde für dich comme une plante. Wie eine Pflanze sein, tu vas planter sur le lit. Dass ihr auf dem Bett pflanzen werdet. Je serai pour toi. Ich werde für comme dich un poisson dans l'eau. Wie ein Fisch im Wasser sein. Comme un Thompson. Wie ein Fisch im Wasser.
Et le jour où il doit jouer le rôle de Thompson, und an dem Tag, wo er die, wo sie die Rolle des Fisches spielt, ist er nicht bereit. Donc les gens, comme disent chez nous au Cameroun, les gens ne font que bavarder, bavarder, bavarder. Die Leute sprechen, sprechen, und sprechen, sie labern nur. Mais ils savaient, aber sie wussten, que nous avons dit, dass wir gesagt haben, tu es l'os de nos os, du bist der Knochen meiner Knochen, c'est-à-dire nous sommes prêts à mourir pour toi. Und das Leib meines Leibes, denn wir sind bereit für dich zu sterben. Je vais dire une autre chose. Ich möchte jetzt eine weitere Sache sagen. Si tu prends un tel risque, wenn du so ein Risiko auf dich n'attends nimmst, pas que tout le monde réagisse comme David. Erwarte nicht, dass jeder so reagiert wie David. Vous entendez? Hört ihr zu? C'est-à-dire, das heißt, tu peux ramener ça au prix. Du kannst dir das bringen zum de ton Preis sang. Deines Blutes. Et tu connais bien ce verset. Und du kennst genau diesen Vers. Mais moi, je bois cette eau. Aber ich trinke dieses Wasser. Il faut pas dire. Sag jetzt nicht. Pourquoi il n'a pas fait comme David? Ja, wie sagt er nicht David, David gemacht? Amené, ja. Il a dit, David hat doch il gesagt, peut pas boire, mais lui, ich kann amené, nicht trinken, aber er hat einfach getrunken. Je nous connais, hein? Ich kenne uns. Comme disait quelqu'un, nous nous connaissons. Wie einer sagte, wir kennen uns. Nous nous connaissons, nous nous connaissons, on se connaît. Wir kennen uns. Vous entendez, peuple de Dieu? Hört ihr zu, Volk Gottes. Et la Bible dit dans und die Bibel sagt in Epheser, il faut servir vos maîtres. Ihr müsst euren Meister dienen. Mit was? Empressement. Mit Ehrfurcht. Et avec empressement. Mit Ehrfurcht. C'est ça, empressement. Un chronique, là, c'est empressement. Erste Chroniken, das ist das, was er meint. Eigen? Ah, mit Eile. Je parle de payer le prix. Ich spreche davon, Preis zu zahlen. Maintenant, tu vas lire un verset bizarre. Jetzt wirst du einen komischen Vers lesen. Un roi 1 à 2. Erste König 1, 1 bis 2. Ça, je veux que tu lises. Das möchte ich, dass du liest. Parce que ce sont des versets que tu peux traiter des versets charnels. Un roi. Erste Könige. Chapitre 1 et 2. Qui veut nous lire ça? 1, 1 bis 2. Wer möchte gerne lesen? Micro, sinon les gens ne vont pas écouter. Tout est dans l'excellence maintenant. Amen. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Le serviteur lui dit que l'on cherche pour mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Amen. Mmh. Huh. Avant de retenir ce verset, bevor man diesen Vers, j'ai fouillé dans Google. Bevor ich diesen Vers beim Festgehalten habe, habe ich überall erstmal gesucht. David, est devenu David vieux. Ist alt geworden. Comme celui-là. Comme celui-là. Also wie er. Ja. Hein? Il est devenu vieux. So alt geworden wie, ihr wisst schon. Cette prédication, diese Predigt, c'est le frère Guy Noé qui l'a prêché. Der Bruder la première fois que je lui ai donné de prêcher à cette église, ihm die Möglichkeit gegeben habe, zu prêchen, c'était un mardi. War ein Dienstag. Et il prend la Bible et dit, je vais prêcher sur le mystère de réchauffement. Sagt, ich werde über das, das Geheimnis der Réchauffement. Der Wiedererwärmung. Moi, je pensais que le réchauffement climatique ou quelque chose. Ich dachte irgendwie klimatisch meinte das, aber klimabedingt meinte das so. Alors, il est devenu vieux. Also er ist alt geworden. Quand il dort, il met la couverture. Wenn er schläft, tut er die Decke und il ne se réchauffe pas. Das heißt, er wärmt sich nicht wieder. Alors c'est plus proche. Also seine, die ihm am nächsten standen, haben die Entscheidung getroffen. Il faut chercher dans la ville. Man muss in der Stadt une fille qui est encore vierge, ein jungfräuliches Mädchen très belle. Und die auch sehr schön ist. On va l'amener, man wird sie bringen, pour prendre soin de David. Um sich um David zu kümmern. N'aie pas, maman, n'aie pas peur, maman Sophia, ça n'arrivera pas. Hab keine Angst, maman Sophia. Que prenne soin de David. Sich um David kümmert. Et elle va commencer à se coucher auprès de David. Und sie wird sich pour réchauffer David. Um David wieder aufzuwärmen. Et la Bible confirme, und die Bibel bestätigt, que David ne l'a pas touché. Dass David sie nicht berührt hat.
C'est-à-dire, on a pris une jeune fille. Das heißt, man hat ein junges pour Mädchen prendre genommen, soin de l'homme oint. Sich den gesalbten Mann zu kümmern. En prenant une fille. Indem man ein Mädchen. Et dans les commentaires, on dit ceci. Und in den Kommentaren sagt je ne sais pas si tu peux prouver ça. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen que kannst. Ce sont les médecins qui ont recommandé cela. Dass die Ärzte das empfohlen haben. C'est-à-dire les collaborateurs. Das heißt, ils sont die allés chercher. Haben qu'est-ce qu'on doit faire gesucht, was können wir tun, pour que notre vie soit bien. Damit es ihm gut geht. Qu'est-ce qu'on doit faire? Was müssen wir tun? Tu ne peux pas être proche d'un homme, ouais. Du kannst nicht in der Nähe eines gesalbten Mannes sein. Et tu ne te soucies pas de sa vie. Und du machst dir keine Sorgen über sein Leben. Tu sais pas s'il a mangé, s'il a pas mangé. Du weißt nicht, ob er gegessen hat oder nicht. S'il n'est pas content. Ob er froh ist oder nicht. S'il a de l'essence dans sa voiture, s'il n'a pas de l'essence. Ob er Benzin hat oder nicht. S'il est malade ou pas. Ob er krank ist oder nicht oder gesund. Et tu ne cherches même pas de solution. Und du suchst nicht mal nach Lösungen. C'est comme cela que je veux que tu comprennes ça. So möchte ich, dass du es verstehst. Mais ces hommes, aber diese Männer, pouvaient aller raconter partout. Hätten es überall erzählen können. Le roi dort là-bas avec une jeune fille. Der König schläft dort mit einem junges Mädchen. C'est que c'est des gens qui touchent les deux points que je vais terminer ici. C'était des gens. Es waren Leute, qui étaient des gens matures. Die waren reife Leute. Ils étaient discrets. Die waren diskret. Et ils étaient des hommes de confiance. Und die waren Männer des Vertrauens. Tu ne peux pas être proche d'un homme ouin. Du kannst dich in der Nähe eines gesalbten Mannes. Tu ne peux pas travailler proche d'un dirigeant de ce monde. Oder in der Nähe eines Leiters si in der Welt sein, wenn du zu viel redest. Tu dois avoir la maturité. Du musst Reife besitzen. Parce que ce président, denn dieser Präsident, c'est un homme comme tout le monde. Das ist ein Mann wie alle anderen. Tu peux le trouver au salon en train de ronfler. Du kannst ihn im Wohnzimmer vorfinden, wie schnarcht. Comprenez? Versteht ihr? Tu peux le trouver dans tout ce qui est d'un homme. C'est seulement quand du il apparaît là, finden, le alles président. Mais il fait tout ce que tu fais. Er scheint wie ein Präsident, wenn er herauskommt, aber er ist ein Mensch wie jeder andere und tut das, was et jeder pire, macht. Quand c'est un homme de Dieu. Und noch schlimmer, wenn es ein Mann Gottes il ist. Est homme er ist Mensch. De Dieu. Ein Mann. Donc il n'est pas Dieu. Das heißt, er ist nicht mais il est Gott, homme de Dieu. Aber Mann. En lui, und in il y a la divinité. Gibt es die Göttlichkeit, mais en lui, aber in ihm, il a l'humanité. Er hat auch die Menschlichkeit. Il a des qualités. Er hat Qualitäten. Il a des défauts. Aber er hat auch Verfehlungen. Il a des points forts. Er hat starke Punkte. Il a des faiblesses. Aber auch Schwächen hat er. Même ceux qui critiquent les hommes de Dieu. Selbst all diejenigen, si die Männer Gottes kritisieren, wenn man sie an die Stelle der Männer Gottes setzt, werden sie encore des bêtises plus que ceux-là vielleicht sogar noch schlimmer. Donc, quand tu t'approches d'un homme de Dieu, das heißt, näherst du dich einem Mann Gottes, plus tu es proche, je näher du ihm bist, plus il va te donner confiance, desto mehr wird er dir Vertrauen schenken. Plus tu vas découvrir en dehors de l'homme de Dieu. Desto mehr wirst du außerhalb des Mannes Gottes seine Menschlichkeit wieder Or, erkennen. Dabei in seiner Menschlichkeit erreurs, gibt es défauts, Fehler, gibt es ceci, Verfehlungen, a... gibt es Probleme, quel gibt cela, alles quel sera ton attitude, wie wird deine Einstellung, dein Verhalten, ta position, deine Position vis-à-vis de lui. Ihm gegenüber sein. C'est pourquoi j'aime dire, deswegen liebe ich es zu sagen, si tu n'es pas mature, wenn du nicht reif bist, si tu ne peux pas cacher les secrets, wenn du Geheimnisse nicht bewahren, si tu ne peux pas supporter les erreurs, les failles de ton chef, wenn du Fehler deines Chefs nicht aushalten kannst, le secret de ton patron, das Geheimnis deines ne t'approche pas d'un homme, dann näher dich nicht einem gesalbten Mann. Je protège ta vie. Ich beschütze dein Leben. Tu m'entends? Hörst du mich? Je protège ta vie. Ich schütze dein Leben. Il y a des gens dans cette église. Es gibt Leute in dieser Gemeinde. Beaucoup ne savent pas où est-ce que j'habite. Viele wissen nicht, wo ich wohne. Ils ne me voient qu'ici devant. Die sehen mich nur hier vorne. Et à la porte. Und an der Tür. Je reste l'homme de Dieu. Und ich bleibe der Mann Gottes. Mais celui qui vient chez moi à la maison. Aber wer zu mir nach Hause kommt. Il peut me trouver, je vais à la cuisine, je servir moi-même. Ich gehe in die et puis Küche, je mange à la main. Esse, und esse mit der Hand, wie jeder andere. Si tu n'es pas mature dans ce niveau-là. Wenn du nicht so eine gewisse Reife hast. Tu vas commencer à me considérer de plus en plus mon humanité. Willst du mehr meine Menschlichkeit et ma sehen? Divinité en toi commence à descendre. Und meine Göttlichkeit geht für dich eher weiter runter. Et c'est fini.
Und es ist fertig. Je ne serai plus une bénédiction pour toi. Dann werde ich für dich kein Segen mehr sein. Mais rassure-toi. Aber versichere dir selbst. Je n'irai pas en enfer à cause de toi. Dass ich nicht in die Hölle gehen werde wegen dir. Donc c'est toi qui perds. Das heißt, du verlierst etwas. Si tu n'as pas la discrétion, wenn du nicht diese Diskretion hast, tu n'as pas la maturité, nicht diese Reife besitzt, tu n'es pas un homme ou une femme de confiance, und du keine Frau oder Mann des Vertrauens ne t'approche bist, pas du dann Pastor. Näher dich nicht dem Pastor. Ne t'approche pas. Näher dich ihm nicht. Parce que tu peux venir à la maison, denn du kannst nach Hause kommen, tu le trouves en train de discuter avec sa femme, und du siehst, wer mit seiner Frau diskutiert. Und du sagst, le pastor aussi discute. Pastor diskutiert auch, ja. Ja, das ist ein Mann. Je vous dis de vérité ou pas? Ich sage Wahrheiten, ja oder nein. C'est dur, hein? Es ist schwer. On ne vous dit pas ces choses. Man sagt euch diese Dinge nicht. C'est pourquoi vous êtes scandalisé, même là où il faut pas être scandalisé. Deswegen seid ihr schockiert, da wo man überhaupt nicht schockiert sein kann. À moins que tu sois, tu es l'esprit de Jézabel, tu veux approcher pour détruire la vie de Und du personne. Kommst in die Nähe, um sein Leben zu zerstören. Tu es en mission du diable pour détruire. Und du bist in einer Mission vom Teufel gesandt, um zu zerstören. Si ce que j'avais vu est vrai, wenn das, was ich gesehen hatte, wahr ist, là où le pape dort, da wo der Papst schläft, il y a à côté de sa chambre neben seinem Zimmer et dans ses deux chambres, und seinen zwei Zimmern, ce sont des sœurs qui dorment là. Da schlafen Frauen. Mais les gens ne savent pas, ils ne voient Aber jamais die ça. Leute sehen das nicht, die wissen das nicht. Donc, si le pape sort à gauche, das heißt, wenn der Papst nach links rausgeht, da schläft eine si Frau. Sort à droite, und wenn er rechts rausgeht, da schläft da eine Frau. Dès qu'il sort là, wenn er von da rausgeht, et les chrétiens respectent plus les prêtres que nos pasteurs. Und die Leute respektieren den Priester mehr als Pastoren. Sont loin des fidèles. Deswegen sind die Pastoren meistens weit weg von den Treuen. Nicht, weil sie sie nicht lieben, dit, aber die sagen, pour vous protéger, um euch zu schützen, loin. Lieber einen Abstand. Nous appelons ça mille coudées. Man nennt das, wie er das gerade genannt hat, Abstand. Parce que tu vas pas supporter. Weil du es nicht aushalten würdest. Quelqu'un peut dire amen. Kann jemand Amen sagen? Quelqu'un peut dire Kann amen. Jemand Amen sagen? Je termine par ceci. Ich beende mit Folgendem. Tu peux te lever. Du kannst schon mal aufstehen. Jean chapitre 4, verset 11. Johannes 4, 11. Jean 4, 11. Johannes 4, 11. Merci de m'avoir donné votre temps. Danke, dass du mir eure Zeit geschenkt C'était des choses, fallait bien expliquer. Es waren Dinge, die ich gut erklären musste. Sinon, c'est mal compris et c'est grave. Sonst wird es schlecht verstanden. Homme de confiance. Mann des Vertrauens. Genèse chapitre 24. Genesis 24. Abraham confie une mission spéciale. Abraham vertraut eine spezielle à son mission serviteur le plus ancien. An. Est-ce que toi, ton pasteur peut te faire confiance? Kann ein Pastor dir wirklich Vertrauen schenken? Est-ce que ton mari peut te faire confiance? Kann dein Mann dir Vertrauen schenken? Est-ce que ton patron à l'entreprise peut te kann faire dein confiance? Chef dir auf deiner Arbeit dir Est-ce Vertrauen qu'il peut schenken? Partir, il kann laisse er gehen le bureau und er lässt sein Büro et le coffre fort ouvert? Und sein Koffer offen. Proverbe 16, 28, pour la discrétion. Sprüche 16. La Bible pas celui qui parle, qui rapporte les choses. Die Bibel sagt, wenn er nicht spricht und Dinge Et la Bible dit, die Bibel sagt, s'il n'y a pas de rapporteur, wenn es keine Berichterstatter le gibt, feu s'éteint. Vous voyez quand on a un problème à l'église. Wenn wir ein Problem in der Gemeinde haben. Vous savez pourquoi ça s'aggrave? Wisst ihr, warum es schlimmer wird? Parce qu'il y a des rapporteurs. Weil es Leute gibt, die es verbreiten, davon berichten. Selon Proverbe. Nach Sprüche. Moi j'apprends. Ich je donne ich davon, ich gebe es dem Ancien Ältesten. Apprend. Der Älteste il rapporte davon, à Christelle Pamela. Christelle Pamela apprend. Sie hört et rapporte à Mama Yvette. Und sie bringt es Et aussi longtemps qu'il y a des rapporteurs. Und solange es le feu ne fait que s'allumer. Dann wird das Feuer immer weiter angezündet. Das Feuer wird immer weiter angezündet. Mais dès qu'il y a plus de rapporteurs, aber sobald es keine Berichterstatter mehr le gibt, feu s'éteint. Dann geht das Feuer runter. Jean chapitre 4, verset 11. Johannes 4, 11. Quelqu'un peut lire? Kann jemand lesen? Seigneur, lui dit la femme. Tu n'as rien pour piser les pieds profonds. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Continue. Weiter.
Écoutez la phrase. Hört den Satz. C'est ce que je voulais dire. Das ist das, was ich sagen wollte. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Bist du größer als unser Vater Jakob? Qui nous a donné ce puits? Der uns diesen Brunnen gegeben et hat. Et qui en a bu lui-même? Und selbst daraus ainsi que ses fils et ses troupeaux. Samt seinen Söhnen und seinem Vieh. Es-tu plus grand que notre père? Bist du größer als unser Vater? Es-tu plus grand que notre père? Bist du größer als unser Vater? Il pose la question à Jésus. Wir stellen Jesus diese Frage. Bien-aimé. Ton père doit être le plus meilleur père de tous les pères du monde. Muss der größte und beste Vater von allen. Même s'il n'a pas de voiture. Selbst wenn er kein Auto hat. Même s'il n'a pas d'argent. Selbst wenn er kein Geld hat. Tu dois considérer que personne n'est plus grand que ton père. Musst du es ihn so sehen, dass keiner größer ist als dein Vater. Je pensais que tu allais dire amen. Ich dachte, du würdest amen sagen. Personne n'est plus grand que ton grand. Keiner ist größer als dein. Personne n'est plus grand que ton mari. Keiner ist größer als dein. Personne n'est plus grand que ta femme. Keiner ist größer als deine Frau. Personne n'est plus grand que ton pasteur. Keiner ist größer als dein Pastor. Personne n'est plus grand que ton leader. Keiner ist größer als dein Leader. Il y en a de plus grands. Es werden größere geben. Nous tous nous savons qu'il y en a de plus grands. Wir wissen alle, dass es größere geben. Mais pour toi, aber für dich, ton chef. Dein ton chef, père, dein Vater, ton leader, dein l'homme ouin, der gesalbte Mann, doit être le meilleur pour toi. Muss der Beste sein für dich. Si tu peux remplir ces éléments, wenn du diese Elemente erfüllen kannst, que Dieu t'ouvre les portes, dass der Herr dir die Türen öffnet, auprès des grandes personnes de ce monde, in der Nähe von großen Menschen dieser Welt. Mais si tu ne peux pas, aber wenn du nicht kannst, ça ne vaut pas la peine, dann bringt es nichts. Toi-même, du selber, commence à t'éloigner, fang an dich zu entfernen, pour sauver ton âme, um deine Seele zu retten. Éloigne-toi. Entferne dich. Ne prends pas certains postes stratégiques. Nimm einige strategische Posten in deinem Unternehmen parce oder in deinem Land an. Tu n'as pas qualité. Weil du nicht diese Qualität hast. Ne t'approche pas d'un homme loin. Nähre dich nicht einem gesalbten Mann. Parce que tu n'as pas qualité. Weil du nicht die Qualität tu l'aimes. Hast. Du liebst ihn. Je ne parle pas. Tu l'aimes, du tu vas à l'église, ihn, du gehst in die Gemeinde, du bist engagiert, du tust alles. Mais ne l'approche pas. Aber näher dich ihm nicht an. Kann jemand Amen sagen? Erhebe beide Hände. Dis après moi, Seigneur. Sag nach mir, Herr. Seigneur, Herr, merci pour ta parole. Danke für dein Wort. Aide-moi. Hilf mir, à partir zu gehen. De ce midi. Von d'avoir un autre regard. Ab diesem Nachmittag eine andere Sicht zu haben. Un regard digne de ton nom. Eine Ansicht, die würdig deinem Namen. Vis-à-vis de l'homme de Dieu. In Bezug auf den Mann Gottes. Vis-à-vis de mes responsables. Und in Bezug auf meine Verantwortung. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus. Donne-moi un cœur qui aime. Gib mir ein Herz, das liebt. Donne-moi un esprit discret. Gib mir einen diskreten Geist. Donne-moi la maturité. Gib mir die Reife. Donne-moi d'être un homme, une femme de confiance. Gib mir einen Mann oder eine Frau des Vertrauens. Donne-moi savoir payer le prix. Hilf mir, den Preis zahlen zu können. Là où je suis établi. Da, wo ich etabliert dans wurde. Le travail. In der Arbeit. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Aide-moi, Seigneur. Hilf mir, Herr. À devenir cet homme. Dieser Mann. Cette femme. Diese Frau. Qui a qualité. Zu werden, die Qualitäten. D'approcher les grands de ce monde. Diesen die Größen dieser Welt zu nähern. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Lève tes deux mains. Erhebe beide Hände. Remercie le Seigneur. Und danke dem Herrn. Remercie le Seigneur. Danke dem Herrn. S'il y a des décisions qu'à prendre, prends les. Wenn es Entscheidungen gibt, die du treffen musst, dann tu es. Nous allons beaucoup prier le dimanche prochain. Wir werden nächsten Sonntag viel beten. Parce que ça sera la clôture de tout ce travail. Denn es wird der Abschluss sein von der gesamten Arbeit. Mais prie le Seigneur. Aber bete zum Herrn. Prie le Seigneur. Bete zum Herrn. Si tu es un homme, une femme, wenn du ein Mann oder eine Frau dans bist, ton pays, in deinem Land, bien ici en Allemagne, oder hier in Deutschland, Dieu te donne la grâce gibt dir die Gnade, d'approcher les grands, großen, dich des hommes riches, des femmes riches, lernen, des grands hommes d'affaires, oder große des hommes politiques, lernen, des hommes de Dieu, oder des servantes de Dieu. Demande à Dieu de te donner des qualités. Ces qualités, diese Qualität, que tu les développes en toi. Dass sie sie noch in dir entwickeln. Oui, tu as la grâce. Ja, du hast die Gnade. Tu es appelé du bist berufen, à ne pas diriger. Zu, nicht zu leiden, mais tu es appelé
aber du bist berufen, à travailler auprès des grandes personnes, in der Nähe von großen Personen, auprès de grandes personnalités, in der Nähe von großen Persönlichkeiten. Mais ce qui te détruit, aber das ist, was c'est ton caractère. Dein Charakter. Tu parles trop, was zu viel sprichst. Tu n'es pas discret. Du bist nicht diskret. Tu n'as pas la maturité. Du hast nicht die Reife. On ne peut pas te faire confiance. Man kann dir nicht vertrauen. Ton cœur n'est pas dans la joie. Dein Herz ist nicht in der Freude. Ton âme n'aime pas l'âme de cet homme. Deine Seele liebt nicht die Seele des Mannes. Certaines destinées, einige Bestimmungen, ne peuvent se clore, können sich nur entfalten, que si tu t'attaches auprès d'un homme, wenn du dich einem Mann Gottes nährst. C'est alors que tu vas entrer dans ta destinée. Das heißt, so wirst du in deine Bestimmung. Mais ton caractère, aber dein Charakter, ta mentalité, deine Mentalität, te bloque jusqu'à aujourd'hui. Das blockiert dich bis heute. Parce que tout homme grand, denn jeder große Mann, ne prend pas n'importe qui à ses côtés. Nimmt nicht irgendjemanden an seine Seite. Il prend des hommes de confiance. Er nimmt Leute des Vertrauens. Un homme sur qui eine Person, auf die il peut compter. Er sich verlassen kann. Jésus, Jesus, pouvait compter sur Pierre. Konnte auf Petrus zählen. Parce que Pierre, weil Petrus, était prêt à payer le prix, bereit war, den Preis zu zahlen, pour protéger Jésus, um Jesus zu schützen. Pierre ne supportait pas s'asseoir là où on critiquait Jésus. Il ne supportait pas s'asseoir là où on parle mal de l'œuvre de Jésus. Il ne pouvait pas voir les hypocrites auprès de Jésus. Quand Malchus s'est approché, Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Da hat er das Ohr von ihm pour abgeschnitten, protéger son maître, um seinen Meister zu schützen. Es-tu prêt à protéger ton maître? Und du musst deinen Meister schützen. Es-tu prêt à protéger l'œuvre de ton père? Und du musst das Werk deines Vaters schützen. Es-tu prêt à protéger, bist du bereit, ton chef, deinen Chef, ton zu patron dans l'entreprise, auf der Arbeit? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Kann man dir vertrauen? Pasteur va prier, je vais der Pastor wird beten und ich werde segnen. Herr, danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Merci pour ta parole, Père. Danke für dein Wort, Vater. Tu nous as encore enseigné, mon Dieu. Du hast uns heute noch mal belehrt, comment servir auprès d'un homme, oh, Seigneur, wie man in der Nähe eines gesalbten Mannes dient. Seigneur, c'est pour notre propre bien, Père de grâce. Es ist für unser Gunst. Fais de nous, Père, des Jonathan, Père. Mach aus uns Jonathan. Des hommes capables de servir auprès d'un homme, oh, Seigneur. Menschen würdig in der Nähe eines Mann Gottes zu dienen. Des hommes et des femmes capables de porter la charge, mon Dieu, mon Roi. Frauen und Männer bereit, diese Seigneur, Last zu tragen. De faire avancer le royaume, Père. Und das Königreich voranzutreiben. De faire avancer l'église, mon Dieu, und auch die Gemeinde voranzutreiben. Je te dis encore merci, Père. Ich sage nochmal Danke. Tu as vu le cœur de mon frère par rapport du à ce message. Du hast das Herz meines Bruders in Bezug auf diese Botschaft le gesehen. Le cœur de ma sœur par rapport à ce das message. Das Herz meiner Schwester in Bezug auf diese Botschaft. Même le jeune dans ces lieux, Père. Selbst die Jugendlichen in diesem Ort. Est-ce que mon Dieu, mon Roi, lasst mein que Vater, cette parole puisse produire en nous des fruits, Seigneur. Eine Frucht produzieren. Que nous nous attachons à ton œuvre, mon Dieu. Dass wir uns an dein Werk binden. Que nous devenons ces serviteurs, Père, dass wir diese Diener werden, qui ne regardent pas leurs intérêts, mon die Dieu, nicht auf ihr eigenes Interesse schauen, mais les serviteurs qui sont prêts pour faire avancer, Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Aber die bereit sind, das Werk Gottes voranzutreiben. Oh, sois béni ce soir, Seigneur. Sei gesegnet, Vater. Merci pour ton serviteur. Danke für deinen Diener. Merci, Seigneur, pour cette parole. Danke für dieses Wort. Que cette église en 2022, mon Dieu, dass diese Gemeinde in 2022, que mon frère, ma soeur devient excellence dans le service, dass mein Bruder und meine Schwester exzellent wird im Dienst. Que mon frère, Seigneur, puisse exceller, Papa. Dass mein Bruder exzellent wird. Lass que le frère de cette année. Lass das. Que la sœur de cette année. Dass mein Bruder und meine Schwester. Que le jeune de cette année. Dass der Jugendliche. Soit différent de toutes les années passées, mon Dieu. Dass sie unterschiedlich sind zu den vergangenen Jahren. Oh, je te dis encore merci. Ich sage nochmal Danke. Donne-nous ton esprit, mon Dieu, mon Roi. Gib uns deinen Geist. Donne-nous ton esprit, Père. Gib uns deinen Geist. Donne-nous ton esprit, mon Dieu. Gib uns deinen Geist. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Wir wollen uns an dich binden. À travers ton serviteur, mon Dieu. Durch deinen Diener. Nous voulons nous attacher à toi. Wollen wir uns an dich. À travers de l'ange que tu as établi dans ce lieu. Durch den Engel, den du hier etabliert hast. Nous voulons nous attacher à toi. Wollen wir uns an dich binden. À travers cette œuvre, mon Dieu, durch mon Roi. Durch dieses Werk.
Oh Père, oh Vater, tu dis maudit soit celui qui fait avec négligence ton œuvre. Sei derjenige, der arbeitet mit Père, je prie que tu aies compassion de nous ce soir. Ich bete, dass du Mitgefühl mit uns que hast. Tu aies compassion de nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Dass du Mitgefühl mit uns heute hast. Que notre attitude change, Père de grâce. Dass unsere Einstellung sich ändert. S'il y avait la négligence dans nos cœurs. Wenn es Vernachlässigung gab in si on venait dans le culte, mon Dieu. Wenn wir zum Gottesdienst kamen. Pour venir seulement passer le temps, Père de grâce. Nur um die Zeit zu vertreiben. Mais nous te prions qu'à partir de maintenant. Dann bitten wir, dass que nous puissions te servir. Mit et avec excellence, mon Dieu, mit excellence. Sois béni le Dieu sei de grâce. Gesegnet. Au nom puissant in de Jésus. Jesus Christus. Je lève ma main. Ich erhebe meine Hand. Que tu sois le Josué de cette génération. Dieser Generation. Que tu sois le Caleb de cette génération. Dass du der Caleb bist von dieser Generation. Que tu sois l'Élisée qui était auprès d'Élie de cette génération. Que tu sois le Pierre de ta génération. Sois le Jean-Marc de ta génération. Sois le Tite, le Timothée, le Philémon de ta génération. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te transforme. Dass der Herr dich verändert. Transforme ton cœur. Dein Herz transformiert. Transforme ton esprit. Deinen Geist transformiert. Transforme ton âme. Deine Seele transformiert. Transforme ton caractère. Und deinen Charakter transformiert. Tes habitudes. Deine Gewohnheiten. Et fasse de toi und aus dir un véritable serviteur le plus ancien. Macht. À qui on peut faire totalement confiance. Den man komplett vertrauen kann. Seigneur, fais-le pour moi. Und tu es für mich. Aussi auprès de mon Père. Auch in der Nähe meines Vaters. Et de tout cela sur qui tu as tu as élevé au-dessus de moi. Und für all diejenigen, die du über mich erhoben hast. Aide-moi, Seigneur. Hilf mir, Vater. À être celui que j'ai prêché. Dass ich der bin, den ich gerade gepredigt habe. Auprès de mon père spirituel. In der Nähe meines spirituellen Vaters. Auprès de mon président dans mon association. Und in der Nähe meines Präsidenten. Partout où, Seigneur, tu m'as établi. Wo du mich etabliert hast. Où là, tu as mis un homme élevé au-dessus de moi. Oder wo du einen erhobenen Mann über mich hast. Aide-moi à être ce serviteur que j'ai prêché aujourd'hui. Den ich heute gepredigt habe. Dans le nom de Jésus. In Namen Jesus Christus. Et tous les saints disent. Und alle Heiligen sagen. Amen. Bon dimanche, bon schönen dimanche, bon Sonntag, dimanche. Sonntag, Sonntag. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr segnen. Et rentrez excellemment chez vous à la maison. Und kehrt